Donc, j'ai farmé. J'ai farmé pendant le week-end. Pourquoi? Parce que déjà, c'était l'hiver. Du coup, bon, l'hiver, je suis moins fan de l'hiver parce que c'est moins beau. Le paysage est moins beau, on voit moins, etc. Du coup, je me suis dit, j'ai envie d'y jouer. Donc, pourquoi pas farmer? J'ai rien construit, donc vous n'avez rien raté. La seule chose que j'ai fait, c'est passer l'hiver à mon premier jour. J'ai construit un petit peu d'outils pour que mes employés, j'allais dire, mais les gens qui vivent dans ma ville puissent travailler. J'ai récupéré des rondins et la nuit, je m'amusais à faire la route entre chez moi et la ville à côté. Je sais plus le nom. Tête baissée à ramasser des bâtons et des cailloux. Et je fabriquais couteau, 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 couteau. Ce qui fait que j'ai vendu, je pense, pour l'équivalent de... je crois que j'étais à 1200 pièces d'or. Et je crois que je suis à 5000 là. On va regarder. Je suis à 5500. Donc on a vendu quelques couteaux. Voilà. C'est tout ce qu'on a fait. Le reste, j'ai rien fait d'autre. J'ai débloqué du coup de la technologie parce que j'ai fait beaucoup de fabrication. J'ai débloqué quoi? Je me rappelle plus. Pavillon de chasse niveau 2 que j'ai débloqué. Donc on pourra faire arc recourbé, etc. Faudra acheter. Et je crois que j'ai débloqué un autre truc là-dedans, mais je suis pas sûr. Ah si, atelier niveau 2. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on a débloqué. Et derrière, on a débloqué des points de compétence, forcément. Ah ouais, parce qu'il y a un autre truc que j'ai fait, évidemment. Salut Franzini. Je vais me droguer, aller faire le gang, je dois... Bon courage à toi. Bonjour Scolofrenzu. Il y a un autre truc que j'ai fait, c'est j'ai fait ce que vous m'aviez dit, c'est-à-dire prendre les baies, les mettre par terre, passer à la prochaine saison, ça fait de la nourriture pourrie, quoi, et en faire de l'engrais. Donc j'ai pris mes 900 baies, j'avais 982 baies, j'ai pris les 982 baies, je les ai jetées par terre, je suis passé en hiver, et ça a fait 982 nourriture pourrie, et j'en ai fait de l'engrais. Vous m'aviez dit, pour faire de l'engrais via de la nourriture pourrie, il faut acheter à côté du fumier. Sauf que non. Il n'y a pas besoin. Ça marche tout seul. Il faut 10 nourritures pourries pour faire un engrais. Donc j'ai eu 93 engrais, 98, je sais plus combien j'en avais exactement. De B. Ce qui fait que bah, forcément, quand j'ai fabriqué tous les engrais, bah, ça va donner de l'XP. Et ça fait plaisir. Quand est-ce que tu vas faire du Maniteur la dernière fois que tu y as joué? Ça date d'il y a 3 ans. Là, il est très bien. Bah ouais, j'ai fini le jeu. Hein. J'ai fini le jeu. Hein. En plus, il laguait à fond, quoi. Pour le coup. Il n'était pas du tout optimisé. Du coup, voilà. Alors, on va prendre connaissance agricole pour continuer l'XP. Je ne me suis pas donné les points d'XP pour faire avec vous. Et il me reste bah, 0 points. Donc voilà, comme ça, c'est fait. Ici, on a débloqué ceci. Insensible sportif. Endurance consommée pendant les déplacements réduite de 30%. J'aime bien l'idée. Hein. J'aime bien l'idée, moi. Comme ça, on peut courir plus longtemps. Et ici, en forge, on a un point. Artisan, bricoleur. J'aimerais bien aussi ça. Permet d'isoler les murs pour réduire la consommation de bois de chauffage. Alors, c'est pas ça. Connaissance en artisanat, c'est pas ça. Il n'y a pas un truc qui fait qu'on construit plus vite? 10% plus rapide dans l'atelier et la forge. Ouais, c'est pas ça. À la main, moi, ça m'aurait intéressé. Ça m'aurait intéressé. Et du coup, j'ai découvert des objets aussi. Parce que comme j'ai été beaucoup de tête baissée, je suis tombé sur des camps et tout, j'ai ramassé. Vous allez voir, j'ai récupéré des trucs. Bon, je vais mettre connaissance en artisanat. Allez, vas-y, on parle là-dessus. Alors, au niveau inventaire, je crois que je les ai sur moi d'ailleurs. Non, je les ai pas parce que j'ai tout rangé. Bon, ça va être l'hiver. Enfin, c'est la fin de l'hiver. Hein. J'ai rien construit. Hein. Du coup, j'ai trouvé ceci. Un arc long, mais je crois que c'était déjà le cas. Couteau en cuivre. Hache en bronze. Et une autre hache en fer. Donc, on est content. On est content. Voilà. Avoir un héritier, ma femme est toujours enceinte de toute façon. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Je vais regarder. Du coup, au niveau stock de nourriture. De. Ressources, je vais vous montrer. J'ai farmé, mais bon, c'est quand même très très long. Hein, donc, on n'a pas non plus. On a 27 bâtons parce qu'on en utilise à côté. 50 boîtes de chauffage. On a pas mal de grêle. Et rondins, 114. 114 rondins, hein, ça va nous permettre de faire 2-3 constructions, je pense.
On devrait en avoir assez pour 2-3. Ce qui fait que bah du coup on est content. Et l'avantage. Ah, j'ai trouvé un épieu en... Ah oui, c'est vrai que mais ça c'était normal. Et l'avantage, c'est que vu que j'ai fabriqué pas mal d'outils que j'ai mis chez dans les différents stocks d'ailleurs. Mais là, vous voyez, j'ai 5 haches en pierre. Et les houes, je les ai mises à côté. Et les couteaux. Où sont les couteaux? J'ai plus de couteaux déjà. Attends, mais les chasseurs, ils sont ultra efficaces en vrai. J'ai plus de couteaux là. Non, j'ai dû les mettre chez eux. Non, je vais aller voir chez eux. Mais du coup, là, normalement, j'ai rééquilibré un petit peu toute la production. Et on devrait pas avoir de soucis de manque de matériel pour que les gens puissent continuer de bosser. Salut à Salash. Ça lag beaucoup trop. Ah ouais, ça lag? Ah bah, c'est moi qui lag ou... Tu veux acheter quoi comme animaux? Faut que j'achète poussin. Enfin, Ah, j'ai plus de couteau, dis donc. Oh non, c'est pas vrai. Bon. On va refabriquer vite fait avant la fin de l'hiver. Qu'est-ce que j'allais dire? L'avantage... Ou alors je les ai pas vus, ça me surprend plus en avoir parce que ils ont utilisé. J'ai dû en fabriquer 8, leur en laisser 8. Ils ont tout utilisé pendant l'hiver. C'est énorme quoi. Je lag pas, ok, merci. Et qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus du tout. 3. Normalement, c'est bon. 4. C'est bon, c'est bon. Je sais plus ce que je disais. Ah ouais, je vais acheter poule et cochon. On pourra pas acheter les deux avec ce que j'ai farmé, hein, mais on va. J'achète quoi en premier? Poule ou cochon? Le cochon permet de faire du fumier, qui du coup permet de faire de l'engrais. La poule permet de faire des œufs, qui du coup permet de. Qui du coup permet de faire à manger. Je suis perdu. Ah, elle est là. Putain, je la voyais pas. Et en plus, on a nos mineurs là. Enfin, nos mineurs, les gars qui travaillent dans la maison. Je sais pas comment c'est. Qui récupèrent beaucoup de pierres. 4 couteaux en pierre. Je vais vous montrer vite fait parce qu'on n'a pas regardé. Mais je crois que j'ai plus de 100 pierres disponibles. Et ça farme pas mal, quoi. J'ai rééquilibré la production aussi parce que j'avais un souci. En fait, je fabriquais. Non, c'est là. Je fabriquais beaucoup d'outils qui utilisaient des rondins et des bâtons. Du coup, j'ai diminué la production des outils. Ce qui fait que bah, on rééquilibre un petit peu les bâtons et les rondins dans le stock, quoi. Et en pierre, en pierre, en pierre. Vous voyez, calcaire, déjà, j'en ai 27, on vient de le voir. La pierre, j'en ai 134. Donc on va pouvoir potentiellement commencer à fabriquer quelques bâtiments en pierre. Voilà. Donc ça c'est le tour qu'on a fait. J'ai fait aucune quête annexe. On va passer pour la prochaine saison. C'est l'heure du printemps. Cochon? Ah, c'est parti. Oh, c'est pas vrai, la couche! Philippe! Oh, un bébé. Sélectionnez le nom de votre fils. Il y a un Roy? Me dis pas qu'il y a Roy. Ce serait incroyable qu'il y ait Roy. Comment on fait pour descendre? Papa, c'est... R. Merci beaucoup pour les applaudissements. On a un bébé. C'est le fiston. Roche. Radost. Il n'y a pas de Roy, hein. Racinière. Robert. Ouais, j'aime bien. Ce sera Robert. Ce sera Robert, le fiston. Oh! Oh! Payez les taxes. Je pensais qu'un fémur cassé c'était très douloureux si seulement je savais. Après avoir vécu la douleur de l'accouchement, je peux te dire une chose.
Un enfant, c'est largement suffisant. Mais trêve de bavardage. Admirons plutôt la beauté absolue de notre petit garçon. Il est parfait, si rougeâtre, si chauve et si parfait. Oh, on a un bébé, Léon. Humeur? Eh, forcément, l'humeur qui grimpe en flèche. Comment se porte ma magnifique ma famille? Ce n'est pas vraiment le moment. Ah bon? Pardon? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Rien ne va bien! Qui crois-tu que je suis? Une poule couveuse? Je commence à devenir folle à force de rester ici toute la journée. Ma chérie, je te comprends, mais... Pas de mais. Toi, tu t'en vas dans tes petites aventures, tu balances ton fichu marteau partout, tu ramasses toutes les pierres qui traînent, à se demander ce que tu en fais de toutes ces pierres. Moi, je suis dans toute cette histoire, hein. Un utérus ambulant, c'est ça? Mais pas du tout. Ne me traite pas de sucre. Le sucre, c'est sucré. Et crois-moi, ce que je suis maintenant, c'est amer. Amer! Et c'est tout... Et c'est de toute ta faute. Bah, attends, t'en voulais aussi, l'enfant. Hein. Tu peux pas me le reprocher. Hein. Après, moi, je peux le garder, y a pas de souci. Hein. Mais derrière, faut que tu fasses des constructions pour moi, quoi. Moi, si tu me dis, je construis les bâtiments et tu gardes le bébé, bon, y a pas de souci. Hein. Non, c'est toi qui a... Hein? Comment oses-tu être d'accord avec moi quand je suis furieux? C'est malin, tu viens de gâcher toute mon indignation, t'es content? Ah, je sais pas trop ce que je suis. Arrête, arrête d'être aussi calme et raisonnable. Moi, je suis en colère et frustré et fatigué, je suis tellement fatigué. Bah, c'est normal. Si tu viens d'accoucher... Bon. Non, non et non. Tu ne vas rien suggérer du tout, ce n'est pas ton tour de le faire, c'est toujours toi qui fais le proactif. Eh bien maintenant, c'est mon tour. Que voudrais-tu que je fasse pour toi, alors? Je veux un cadeau. Quoi? Oh bah non, on n'a pas farmé tout l'hiver pour aller te faire un cadeau, hein. Tu veux un cadeau? Oui, c'est ce que je dis, t'es stupide ou quoi? Je veux un cadeau. Quel genre de... Quel qu'il soit, il a intérêt à vraiment me faire plaisir. Allez hop, va m'en chercher un. Tes désirs... Tu as l'air vraiment instable pour le moment, je reviendrai quand tu seras plus calme. Elle est super énervée, la dame. Non, mais c'est... Comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça... Le blues post-naissance, je sais plus comment on appelle ça. Tes désirs sont des ordres. Par contre, ne me tape pas sur les nerfs. Par contre, un œuf. Hein? C'est ça ta journée? Tu te plains? C'est comme ça que t'es fatigué? Ah bah super! C'est ça d'avoir un gosse, elles sont tellement heureuses dans les films après le gamin. Ah, c'est un jeu, hein, bien sûr. gestion. Qu'est-ce qui se passe ici là? Ah ouais, élevage d'animaux, forcément, on a un souci. Agriculture, on a un souci aussi, forcément. Et du coup, nos gars, ils ont planté, en plus. Parce qu'on a récupéré de l'engrais. Clip sur le Didi. T'as mis ça comme clip? Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Alors, parler à Unighost et payer les taxes. Il y a combien de taxes à payer? Oh, pas trop, s'il vous plaît. J'ai pas farmé pour payer les taxes. 1200, quoi! Mais j'ai pas farmé pour payer 1200 de taxes. Ah, ça m'arrange pas, cette histoire. Bon, on y va. On y va, mais on va fabriquer des couteaux au passage. On y va en fabriquant des couteaux. Ça, si je peux... Et du coup, les bâtons, ils réapparaissent, quoi. Après chaque saison. Ah, nos champs, regardez-moi ça, comme ils sont beaux, les champs. On va pouvoir les agrandir si on a plus d'engrais aussi. Faut que je récupère des baies. J'ai pas pris à manger, c'est pas grave. On assume, on fera l'aller-retour. J'ai payé les taxes avec une fabrication de... Sur la route. On y croit. Vous allez voir à quel point c'était passionnant mon gameplay. C'était extraordinaire. Après on n'était pas bon. Ah, je peux ramasser les baies. Les bêlons mûrs. Faut les prendre les bêlons mûrs parce que... Du coup, on les fera pourrir. Ok. C'est vrai que c'est intéressant. Du coup, c'est un conseil que je donne à ceux qui débarrent. Les bêlons mûrs, effectivement, prenez-les, quoi. On ramasse. Je suis à la lisière de la forêt. C'est là où on aura plus de trucs. Ah, du coup, ce serait bien de pouvoir vendre. Allez, pour.
trentaine de couteaux, une quarantaine de couteaux. En vrai, j'en ai vendu plus que ça, hein. Je vendais 75 couteaux, je crois. Ça me rapportait plus de 1000 à chaque fois. Mais là, c'est tellement long, en vrai, je vais pas vous faire subir ça. C'est plus une partie qui me permettra de payer les taxes pour pas que je perde trop, quoi. J'ai passé tout l'hiver à ramasser des pierres et des cailloux. Enfin, des pierres et des bâtons pour faire des couteaux et les vendre. Et ça part dans les taxes, dis-donc. Tu peux construire une auberge ? On peut construire une auberge, ouais. Enfin, non, pas une auberge, une taverne, quoi. On peut. Donc moi, ce que je faisais, c'était ça. C'est-à-dire que j'arrivais, tac. Je ramasse, et dès que je suis lourd, je fabrique. Et après, on ramasse, dès que je suis lourd, je fabrique. Il n'y a pas beaucoup de cailloux par contre, hein, là. Ah, c'est pas le meilleur gameplay, ça. Ah, j'aurais aimé avoir plus de choses à vous proposer. Mais là, normalement, avec puisqu'on a un peu d'engrais, en plus, il m'en reste une trentaine en stock. Du coup, on va pouvoir... Non, je ramasserai ça au retour, à la limite. On va pouvoir... faire des bonnes récoltes. Et ça serait bien qu'on fasse, du coup... Si on peut acheter un animal... Ah, ce serait pas mal déjà. Faut pas qu'il meure. T'as imagine, t'achètes un cochon à 4000 et il meurt, quoi. Tu es pas une loutre. Oh, quelle horreur, en vrai. Mais en vrai, avant d'acheter le cochon, il faudrait que... Oh, il y a les sangliers. Attention, les sangliers. Avant d'acheter le cochon, il faudrait que... Que je construise deux maisons de plus, histoire de recruter 4 personnes. Et si j'arrive à recruter 4 personnes, je pourrais les mettre dans la ferme. Je vais attaquer. Les mettre dans la ferme, enfin pas dans la ferme, mais s'occuper des animaux. Un herboriste. Une taverne aidera à avoir de l'argent, non? Bah après, tout hein, dans l'absolu. Hein. Faut juste vendre, quoi. Mais là, je suis encore au début. Hein. On est le début. C'est quoi? C'est notre troisième saison, ça? Attends, on peut voir, d'ailleurs. Dans ces cartes. Ça, c'est notre début de troisième saison. Donc, la première, c'est on commence à s'installer, etc. La deuxième, on devient autonome en matière première. Et la troisième, ça va être... production. Production en quantité. Qu'on peut du coup vendre, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de récupérer des cailloux pour gagner de l'argent, quoi. C'est l'objectif de cette année. Avoir suffisamment de production et de gens qui bossent et qui fabriquent des trucs que je peux vendre. 14. C'est l'objectif de cette année. On verra comment ça va se passer, quoi. J'enregistre là, mais j'enregistre. On verra comment ça va se passer. Là, sur le printemps, ce serait bien que je construise du coup deux maisons, que je récupère un max de bénon mûr. Comme ça, au passage de l'été, ça refait de l'engrais. Faudrait que sur le printemps, j'achète du coup un cochon, ça pourrait être pas mal. Mais j'achète pas le cochon tant que j'ai pas construit les bâtiments, parce que sinon, déjà qu'on a... En haut à gauche, le truc indiquant qu'il y a un souci. Bon, voilà. Faut qu'on compense. Et recruter 4 gars, quoi. Herboriste. L'herboriste va nous récupérer en plus les baies pour nous après, donc on sera tranquille. Et si j'ai suffisamment d'argent, faut que j'achète des plants. La fabrication va se faire un peu mieux, hein, du coup, vu qu'on a stocké un petit peu de ressources. Ça devrait aller. Bon, je vends les couteaux à 24, je crois. Ou à 20, je sais plus. 24. C'est vrai que j'en vendais... Mais j'ai passé mon temps la tête baissée, quoi. Je suis déjà arrivé, là? Ah ouais, j'ai fait beaucoup plus vite. Hein. Bon, ça paye une partie, quoi.
cela il me reste 28, 29, 30. Je vais utiliser mes 30 bâtons. Essayer de trouver les pierres suffisantes pour utiliser les bâtons. 30 bâtons, ça fait... Ça fait 6. Et 12, ça fait 6. Bah voilà. Parfait. Très bien, très bien. Et au niveau paille, on est vachement bien aussi. Et ça va être intéressant parce que du coup, c'est j'ai changé la production de ma forge. Ouais, de la forge et de l'atelier. En fin d'hiver. Parce que je me disais, c'est dingue. Putain, j'avais passé... toute une route entre la ville là où je vais et ma ville à moi. À ramasser plein de bâtons. J'étais revenu avec plus de 100. Je les ai mis dans le truc. Et à la fin de l'hiver, il m'en restait une quinzaine. Quoi ? Mais comment c'est possible ? En fait, c'est parce que je produisais trop de trucs, quoi. Qui servent à rien. C'est une erreur. C'est une erreur. Ah, mais il faut que j'achète un cadeau. Oh la vache, mais... En fait, on a farmé juste pour ça, quoi. Frida. Bon, bon, bon. Comment peux-je vous aider ? Ah, je vais vous vendre... Ah, t'as récupéré de l'argent, c'est bien, parce qu'elle avait plus de sous. 480. C'est déjà ça, quoi. C'est déjà ça, quoi. Have a good day. Have a good day, sir. Qui c'est qui vend... Ah, c'est toi qui vend les cadeaux. Je suis à la recherche de quelque chose qui ferait un excellent cadeau pour ma femme. Je propose de nombreux objets. Je vous demandais quelle est l'occasion. Ma femme est furieuse et je préférais garder ma tête sur mes épaules. Comme d'habitude, donc je comprends. Avez-vous vraiment fait quelque chose de mal ou est-ce que... Plutôt quelque chose du genre, tu n'en fais jamais assez. Seconde option. Naturellement, voici ce qui vous conviendrait parfaitement. Dans ce cas, ça fera 500 pièces d'or. J'ai bien peur que je ne puisse pas me le permettre pour le moment. Bon, allez, vas-y, je le prends. Une malvoisie. Quand leurs femmes sont satisfaites, les maris peuvent se sentir tranquilles. Et ça, mon ami, ça n'a pas de prix. Vous n'avez pas l'idée. Ah bah, c'est une gosse, ça. Ouais. Ça fait longtemps. Speed Raptor, merci beaucoup, bienvenue. Ça me donne envie de m'y remettre. Ça doit être un gouffre tant incroyable. Demi-mètre, pardon. Bah, en vrai, ça avance bien, quoi. Et après... Attends, je te montre après. Longtemps, en effet, comment allez-vous à Simir? Parfait, j'ai récemment rencontré Volrad, etc. Bon, tout ça, c'est la quête principale, j'ai pas tout lu. Hein? Bon. Je lis au moment où ouais, ils racontent leur vie. Pff. C'est beaucoup trop long, tout ça. C'est trop long. La lecture, c'est des textes interminables. Moi, je veux construire. Je veux évoluer ma maison. Enfin, mon village. Regardez quand c'est long! Oh, c'est beaucoup trop, les gars. C'est beaucoup trop long, hein. Il n'y avait rien. Bonjour, êtes-vous venu ici pour payer vos taxes? Oui. Excellent, fin du dialogue. J'ai payé la taxe, là? Il me reste combien? Il me reste 4007. Parlez à Sambor! Oh là là, mais il nous fait galérer à Sambor, il est trop loin, j'ai pas envie de dire. Non, j'ai pas envie. Ah, je vous le dis, j'ai pas envie. Non. Non, non, non. Ce que je vais faire, c'est ramasser les baies. Et on va rentrer au village, construire deux maisons. Et, ah ouais, c'est ça. En fait, il y a, dans les paramètres avancés, là, tu peux changer plein de trucs. Tu vois, tu peux supprimer les taxes ou les augmenter. Tu peux limiter, augmenter le nombre de bâtiments si tu veux. Mais bon, apparemment, ça ferait laguer. Tu peux te mettre un petit peu en bac à sable, en fait. Donc, t'as toujours ce côté où il va falloir aller récupérer les ressources, etc. Mais tout peut aller beaucoup plus vite. Et tu peux avoir moins de galères aussi. Là, tu peux supprimer les bandits, tu peux avoir vie limitée, production rapide. Ce qui veut dire que si tu fais 14 couteaux comme j'ai fait là, bah, les 14 seront faits en un coup et tout. Du coup, c'est un gain de temps énorme. Poids de transport illimité, donc t'as pas à multiplier tous les allers-retours et tout. En vrai, c'est vachement bien. T'as un semblant de bac à sable, quoi. Donc certes, c'est un jeu qui demandera du temps, mais comme tous les jeux au final. Je vous pique vos baies, les gars.
900 baies, c'est 90 engrais. Et 90 engrais, bah, c'est pas mal. La paille, j'en ai plus besoin. C'est bon, maintenant on récolte et j'ai un stock énorme. Juste essayer de rentrer et récupérer des engrais au passage. Des baies au passage. Bah, on a des baies. Et après, on construit deux maisons. Alors, où est-ce que je vais installer mes maisons? Je ne sais pas. Oh non, ça y est, on est reparti avec ça. Ça me l'a pas fait pendant le week-end, quoi. Je comprends pas. Mes raccourcis, mes touches, c'est une catastrophe. Non, j'ai cru que le portable sonnait, pardon. Alors. Plein de baies. Et du coup, effectivement, la baie, tu la jettes donc à la... Bah, je le ferai là, à la fin du printemps pour vous montrer. Et c'est ce que vous disiez, quoi. Tu jettes par terre à la fin de l'hiver ou à la fin de ta saison, quoi. Maître de la survie, succès déverrouillé. Tu jettes par terre et... ça devient directement nourriture pourrie, quoi. Dès que tu changes de saison. Et 10 baies, enfin 10 nourritures pourries, ça fait un engrais. Comme des baies, ouais, on est déjà à 300 baies. C'est énorme, quoi. Et ça, c'est des baies non mûres, donc on va pas pouvoir les manger. Donc, Alors par contre, du coup, j'imagine que vu que tu les as récoltées, tu pourras pas les avoir... J'imagine que tu pourras pas les avoir, du coup, les buissons, il n'y aura pas de baies pour l'été, quoi. 350, très bien. On rentre. Il y a beaucoup d'animaux différents, en plus, hein. C'est vrai que le jeu est vachement bien, quand même. Je prends les baies au loin, comme ça, ça prend pas à côté de chez moi. On va aller donner le cadeau à notre femme. Fêter la naissance du fiston. La remercier de l'avoir porté. La remercier de s'en occuper. La remercier d'être à nos côtés, tout simplement. 500 pièces d'or. J'espère qu'elle sera contente parce que bon. C'est tellement beau. Le jeu? Ah ouais, le jeu est beau, hein. Ça c'est clair. Le jeu est beau. Hein. Ça fait des jolis paysages. Ah, ou ce que je disais, tu veux dire? Je sais pas ce que tu disais. Ce que t'as dit, la remercier d'être à nos côtés. Ah. Que veux-tu? Je suis un romantique. Tout simplement. Failli avoir la larme à l'œil. Sont pas mûrs, je sais, ouais. C'est pour faire de la nourriture pourrie. Pour faire de l'engrais. Sachant que j'en avais fait 900 de nourriture pourrie. Et ça a rempli tous mes champs et il me restait 30. Donc je dois avoir 60 parcelles de champs à peu près. Donc besoin de 60 d'engrais. Le temps qu'on n'a pas de, j'allais dire d'oignons, mais de cochons. Bah, c'est plutôt pas mal, quoi. Si on peut en avoir 1000, en vrai, c'est-à-dire qu'on se refait un stock et on va pouvoir agrandir les champs. Les champs, je pense que je les agrandirai, je supprimerai et j'agrandirai à un moment. Ouais. J'ai hâte d'avoir le moulin. J'aurais dû appeler mon fils Jean et le faire travailler au moulin. N'est-ce pas dangereux? Comment ça dangereux?
les baies. Non, non, mais je vais pas les manger. En fait, elles vont pourrir à la fin de saison. Et il y a 10 nourritures pourries, c'est... Ah, ça y est, je suis un peu loin. 10 nourritures pourries, c'est un engrais. Du coup, ça évite d'avoir à acheter de l'engrais. Et trop bien comme info, en vrai. Et si t'as pas besoin d'acheter d'engrais, bah, du coup, t'économises, quoi. Après, effectivement, il faut 1000 baies pour faire 100 d'engrais, quoi. Faut récolter, quoi. Mais ça va vite, les baies, donc... Alors... C'est un peu plus à gauche, encore. On va directement aller voir notre femme. Les baies, je vais les mettre dans mon stock. Enfin, dans mon coffre. Il faudra que je pense à les faire pourrir. Un corbeau. Des corbeaux. On arrive au village. On a des toutes petites parcelles de champs. Mais elles vont évoluer, hein, clairement. Et pareil, j'ai diminué la production de graines. De blé, parce que je pense qu'on est déjà pas mal. Pour qu'on puisse avoir un peu plus de fil de lin, etc. Chérie, j'arrive avec un cadeau. J'ai un cadeau pour toi, mon amour. Mon chéri, je suis dé... Oh, tu m'en as apporté un? Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Rien, je veux dire, j'avais tort. J'avais vraiment tort, je suis désolé. Pas de soucis. T'étais un tantinet instable, mais je dirais pas que tu avais tort. Je comprends à quel point tout ceci doit être difficile pour toi. Vraiment? Bien sûr, tu prends soin de notre famille, tu supportes la vie avec moi. En comparaison, lutter avec des ours et abattre des arbres, c'est un jeu d'enfant. C'est toi le cerveau de l'opération. Moi, je suis juste la force brute. Alors donc, ce n'est pas si difficile de lutter avec un ours. Il suffit de connaître son point faible, son bec. Ouais. Je crois pas que les... Enfin, tu sais quoi? C'est génial. Merci pour ton précieux conseil. De rien, ça m'arrive les éclairs de génie. Voilà, plus futé. Mais bon, c'est pas grave. Bonjour, Emerald. Comment vas-tu, du coup? Tout ce que je suis, c'est follement amoureux de toi. Oh. Je t'adore, mon petit lapinou. J'adore aussi ton cadeau. Je t'adore aussi, ma petite lapine. Ma petite lapine. En fait, j'ai aussi quelque chose pour toi. Elle m'a donné 5000! Je me suis dit que le cadeau que tu allais m'apporter pourrait être cher, et ce serait une bonne idée de gérer un peu mieux notre argent en ce moment. Oh oui! Eh, ça vaut le coup d'être généreux. Je suis allé voir ma copine en vrai. Je vais lui dire, écoute, si je te fais un cadeau, est-ce que derrière tu sors 5000 sorties de nulle part ou... Toujours viser le bec contre un ours, non mais... Ça va bien nous aider pour sûr. Où as-tu réussi à te procurer tout cet argent? Je l'ai trouvé. Oula, tu sais jamais de me surprendre. Désolé, il faut que j'y aille maintenant, à plus tard. Bon. On arrive à 9700. 9700, c'est pas mal. 9700, on est content. Têtu, résistance à l'alcool, c'est pas forcément un souci. Insensible. Fort comme un shell. Solide comme un roc. Je vais mettre solide comme un roc, je vais en mettre un et je vais finir le... Je vais mettre le... Fort comme un shell ici. Allez. Je veux pas savoir où on a trouvé cet argent. Non, moi non plus. Si on apprend qu'elle l'a volé, ça m'arrange pas, quoi. Oh, bah je peux lui donner des marguerites aussi. Alors, je mets tout ça là-dedans. Ah bah je pourrais pas, j'ai pas la place. Pff, ouais, écoutez. Je suis arrangé là-bas. Eh, ça bosse pas des masses ici, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas comme ça qu'on évolue, hein. On va poser ça là. Qu'est-ce que c'est la porte, là? Voilà, on est à 859 B. On a de la lopiote qui est bientôt voici.
Commence à fabriquer des gourdes aussi. On a des seaux aussi qui se fabriquent. On a beaucoup, beaucoup de viande. On a encore 110 de viande à cuire. On est pas mal. Alors. Ok, on a réussi à sortir. On va installer la prochaine maison. Sachant que du coup, sur moi, j'ai un maillet en fer d'ailleurs. J'ai oublié de vous le dire, mais pareil, j'ai trouvé un maillet en fer. Donc, trop bien. On va construire la prochaine maison. Où est-ce qu'on va l'installer? Les baies ici, on va les laisser mûrir. Comme ça nous fait des baies à manger. Où est-ce que je suis là? Je vais continuer de m'étendre par ici. Dans le secteur entre la route et la rivière et le lac. On va continuer de s'étendre par ici. Tu fais pipi? Comment ça se passe? Bonjour. How is life treating you? Life is treating me, Have good, a hein. good day. Have a good day, sir. Ouais, ok, on a ça. Je réfléchis à la disposition des maisons. On est limité à combien là? On a 65 bâtiments possibles. C'est énorme. Avec Cunégonde, elle n'a pas accouché encore. Alors qu'elle était enceinte en même temps que notre femme. Et on a Robert qui. Vert, c'est les enfants du coup, ok. Je pense que je vais construire une maison là. C'est quoi ici déjà? C'est la cuisine, je crois. Ouais, c'est ça. Derrière la cuisine. Je pense que je vais la mettre ici, dans le coin. On va ramasser ce qui traîne. Parce que bon, on sait qu'on en a besoin. On va pas supprimer au moment de la construction, ce serait quand même dommage. Libérer le secteur. Et du coup, on a 9000, donc on va pouvoir s'acheter un couple de cochons. Et peut-être même un couple de poules. Oh, trop bien. Trop bien. J'ai l'impression qu'ici on est pas mal. Il va falloir couper quelques arbres, mais lesquels je coupe? Attendez, je réfléchis à une disposition, hein. Histoire que ça rentre pas trop mal, quoi. Si je fais passer par exemple la route ici, on pourrait mettre une route, une maison à peu près là. Je vais couper cet arbre-là. Ah, au point, peut-être pas, quoi. On sait qu'on est solide comme un roc, mais pas abusé quoi. Et on a hâte aussi d'avoir des outils en fer et tout. Ça va faire plaisir. Ok, on ramasse ça. Petit peu de plantes. Il y a un peu de baie ici, on peut le prendre, c'est pas très gênant. Je suis pas sûr qu'une maison va passer ici. On va essayer, mais je pense que ça passe pas. Ça ne passe pas. Et la route, elle est où? Elle est là, comme ça. Je réfléchis à la disposition pour après. Je la mettrai presque de côté au final. Je vais supprimer celui-là. Toute façon, tout ce qu'on coupe, c'est réutilisé, hein. C'est pas très gênant. De couper même si on a du stock. C'est même mieux de pas piocher directement dans le stock, je pense. Ok. Ok. Commence à faire un peu nuit, on voit pas grand chose. Ah ouais, c'est quand même un peu galère. Si je la mets là, ouais, la route est un peu loin. Parce qu'en fait, je me dis, après, on pourrait décorer à côté en mettant des petits trucs.
Et du coup, je mettrais bien entre la maison et la palissade un genre de petit jardin, entre guillemets, quoi. Attends, mais je viens pas de nettoyer, là. Tout est réapparu, déjà. Ça apparaît pendant la nuit. Ah, parce que je suis en train de nettoyer, quoi. Je vais couper celui-là. Je pense que ça... ça devrait nous permettre de poser derrière. On transporte trop de choses. Ça devrait nous permettre de poser... la maison. Elle veut pas passer la maison. Attends, mais qu'est-ce qui bloque? Mais je suis pas du tout au bon endroit. Non, mais qu'est-ce qui bloque là? Il y a l'arbre à droite. Attendez, je vois pas ce qui bloque. Ça, c'est un truc que j'améliorerais sur le jeu si j'étais le développeur. C'est que ce soit rouge, mais quand c'est que des obstacles, tu puisses poser et après tu fais le ménage dans la zone. Ça j'avoue que ce serait pas mal. Parce qu'au moins tu coupes ce que tu sais qui gêne, quoi. Là, on sait pas trop, quoi. Ah si, c'est cet arbre-là, je pense. Mais je l'ai pas coupé déjà, cet arbre. Pas couper le bon, peut-être. Peut-être pas couper le bon. On est parti. Le seul souci, c'est que... je commence à être un peu lourd, quand même. Est-ce que là, je peux mettre une maison ou pas du tout? Y'a rien qui gèle, je comprends pas. Ah! Ah. Tu vois? Oh ouais, bah c'est pas fou. Hein. Mais qu'est-ce qui jette du coup? Non, mais il y a tellement rien autour. Mais ça doit être cet arbre-là. Bon, c'est cet arbre-là qui gèle. C'est une certitude. Je suis pas sûr. On enlève la souche. On détruit. C'est où? Là. Voilà, on l'a pu reculer. Ça va? Ouais, on a pu reculer. La question, c'est est-ce que je peux pas reculer parce qu'il y a ça? Ouais, j'ai vachement soif là. Je vais aller boire. Est-ce que je peux pas reculer parce qu'il y a les rondins qui restent au sol ou manger un peu. Voilà. Je vais dans la cuisine stocker un petit peu surplus de poids là. Ok. Je vais récupérer du coup ça. Comme ça. Et celui-ci.
Et on va voir du coup si c'était ça qui gênait pour reculer encore un peu, parce que j'aimerais reculer. J'ai pas envie d'être... Parce que là, dans l'absolu, il y a absolument rien. Ah si, il y a peut-être cet arbre là qui gêne encore. Mais est-ce que de l'autre côté, il y a quelque chose qui gêne? Non, il n'y a rien qui gêne là. Donc je peux parfaitement décaler encore un peu à droite. Parce que je le reculerai bien encore un cran quand même. Et si ça passe pas, bah on supprimera ces deux murs là. J'ai plus de torches. Normalement, on a un gars qui en fabrique. Alors, torche. Voilà, parfait. Alors, c'est ici. Du coup, test. Ah oui, c'est pas mal là, non? Pas mal là, non? Ah oui, on a bien reculé là. Ah oui, c'est bien ça. Ah oui, je suis passé à côté de... C'est pas si mal. C'est pas si... Ah, du coup, on avait toute une zone ici dispo, quoi. C'est pas si mal. Je vais le laisser comme ça. En plus, l'angle me plaît aussi. Allez, c'est parti, on construit. Ah, des cailloux. Ok. Est-ce que j'en ai 10 ici? Oui. On va en prendre que 10 parce que c'est lourd pour rien. Et ronde. Pas mal. Du coup, ça en fait une. La deuxième, on la fera, je pense, à côté par là. Ah bah, je peux mettre les rondins. Attends. Je vais mettre mur avec fenêtre ici. Oh, incroyable. Trop bien en vrai. On a utilisé pas mal de rondins qu'on a pris juste avec le déblayage de la zone. Du coup, pas besoin réellement d'aller chercher dans les stocks. Les stocks continuent de grossir. Alors, bâton. Je vais prendre la plume et pierre. On va virer. Oula. On va virer ça d'ici. Même les bâtons, c'est pas mal. On a récupéré pas mal. Et après, on ira. On ira, je pense, dans une ville. Il faudra faire deux villes pour recruter Kanga de toute façon. Après, avec les 9000, on achète deux cochons. Deux cochons, deux poules. On les met à bosser dans les cochons et dans les poules. On les met à bosser dans l'herboriste. Et après, on voit ce qu'on a comme bâtiment dispo. Bonjour Raph, je vais bien, j'espère que tu vas bien aussi. C'est pas ça. Ne me dis pas que j'ai un surplus de rondins. C'est incroyable ça. On a un surplus de rondins. Enfin de bâtons, pardon. 1, 2, 3, 4, 5 rondins et
30 de paille du coup. Ça super, merci. Parfait. 5 rondins, 30 de paille. Alors. Ouais, non, c'est ça. Bâton, on est à 22. Paille, paille, paille. Et 5 rondins. En plan, j'en ai 2. Rondins. Rondins, là. 5. Let's go. Et le maillot de fer, il est beaucoup plus efficace. Je suis pas mécontent de l'avoir trouvé. Clairement. Ça ne pas plus vite, mais il est beaucoup plus long à se détruire. On se fatigue, on se fatigue, on se fatigue. On va respirer. Ah, mais je peux changer le toit aussi. Toit en bois, toit en chaume ou toit en tuile. Oh, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable comme jeu, quoi. Il est vachement bien. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, il va falloir faire évoluer le village dans son style. Oh, c'est trop stylé. Refranzini. Ça y est, c'est fini, laissez faire le gant. Le jeu a l'air complet. Ouais, il est vachement bien, hein. C'est vachement intéressant. Surtout qu'on sent vraiment évoluer. Oh bah tiens, j'étais sur le lit. Ok, une maison de plus, on n'aura plus qu'à recruter. Et du coup, j'ajouterai une maison dans le coin. Pourquoi? Parce que là, on a les champs. Où est-ce qu'ils sont? Là, on a les champs. Ici, là. Tac, tac, tac. Il est où le puits? Le puits est là. Ouais, c'est ça. Et on a une maison ici. Du coup, j'ajouterais bien une autre maison dans le coin. Sans forcément la mettre très alignée, etc. Mais qu'on pourrait envisager comme étant une maison un peu de fermier et tout. Pas mal de choses à ramasser par terre ici. On pourrait la mettre un peu dans le coin. Fais voir la route où est-ce qu'elle est ici. Elle est là. On pourrait carrément envisager, puisqu'ici j'envisage de venir fermer également avec une clôture jusque la route, pourquoi pas même jusque là, quoi. Ah, ça fait tout un secteur où, dans lequel on peut s'agrandir aussi, quoi. Toute cette zone-là, en fait. Ici, j'envisage de fermer là. Et après venir fermer ici. Puis après reprendre là, tac. Donc on pourrait construire des maisons ici et les construire des maisons là. Et là j'aimerais construire une maison ici un peu. Voire à la limite je la mets là. Au pied de la colline. Ah ouais, on peut faire ça. Ah, ça peut être sympa. Ça pourrait être un coin un peu écurie et tout. Quand on aura des écuries. Non. Après, la montagne, elle est pas non plus... C'est pas non plus la folie, quoi. Mais c'est un coin dans ce genre-là. C'est-à-dire que je veux mettre des maisons un peu espacées et on y posera une écurie ou autre dès qu'on pourra construire, quoi. On peut construire quoi, d'ailleurs? C'est pas là. Animaux. Abri pour âne, abri pour oie, écurie, bergerie, étable et ruche. Tu vois, on pourrait se dire, on mettrait des ruches ici. Là. On pourrait construire le bâtiment ruche ici. Il faudra voir la taille qu'il fait. Au pied, on pourrait y mettre des oies. Et du coup, ouais, construire une maison ici. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, c'est parti, c'est décidé. Tac! On abat cette arme. Ce jeu pas si différent de Ark. Bah, c'est un jeu de survie, quoi. Après, il n'y a pas de dino. Le plus gros danger dans le jeu, c'est les sangliers.
Il y a des ours, mais les ours sont moins présents, donc... Ok. Alors... Oh, cette luminosité, en vrai, c'est trop propre. Hein. Où est-ce que j'ai commencé à construire, là? On sait pas trop, au final, il y a tellement d'arbres. Je vais ramasser ce qui traîne. De toute façon, ici, on veut pas tout ça. C'est bien... C'est bien de commencer à construire dans une zone qu'on veut un peu déforester, quoi. Merci beaucoup, Franzini, qui offre encore un sub. Merci à toi. Merci beaucoup. Pour ton soutien. Je pense que j'ai coupé cet arbre-là. Hop. On enlève ça. On ramasse les rondets. Les rondets. Ici, il n'y a pas de... Si. On ramasse. Ah, les morilles, on peut les ramasser parce que... Il y a un moment ou un autre, ça va servir, je pense, mais... Ah non, c'est une pomme de pin. Putain, j'avais pas vu. Je croyais que c'était un champignon. Je suis pas un expert. Hein. Il y a des obstacles, tu mens. Ah, là, il n'y a pas d'obstacle. On l'a vu. Alors, fais voir un peu. Est-ce que ça me va par rapport à la distance au muret derrière? Ouais, ça me va. Par rapport à la distance ici, ça me va aussi. C'est trop bien comme je le mets comme ça. Parce que de toute façon, après, ça va s'étendre encore un peu à droite. Enfin, par ici. Donc, c'est pas très gênant que ce soit pas. On pourrait envisager d'y mettre. Ah ouais, non, mais on verra plus tard. Oh, c'est trop bien. Ok, on construit. On manque de rondins, les gars. Alors, sans ce qui traîne par terre, on peut ramasser. Ce sera... Enfin, ça réapparaît, quoi. Allons chercher des rondins. On peut aller chercher des rondins et prendre 32 pailles, parce que de toute façon, on sait que... Faut 32 pailles. Paille et rondé. Paille, tac. 32... Je vais ranger bâton, je vais les garder. Pierre, plume, rondin, j'en ai zéro quoi. Je vais en prendre. Est-ce que je peux en porter 20 ou pas? Je peux en porter 20. Let's go. Rien à voir, mais est-ce que tu connais le mode Earth of Iron 4 Kaiserreich? Ça me dit quelque chose. Je me rappelle plus ce que c'est. Je suis presque en train de me poser la question de fermer le coin, quoi. Enfin, fermer ici. Si je m'étends aussi de l'autre côté de la route. Après, on peut fermer, mais pas fermer avec... Ah ouais, on peut... Peut-être pas obligé de fermer avec. En gros, c'est si l'Allemagne avait gagné la Première Guerre mondiale. Ah ouais, je connaissais, ouais. Mais j'ai jamais regardé. Et je pense après, puisqu'on va recruter 4 personnes de plus.
on pourra commencer à se poser... Merci beaucoup, bienvenue Son Goten, bienvenue à toi. On pourra commencer à se poser la question de... amélioration des bâtiments, pour augmenter le bonheur des villageois. Parce que ça va commencer à être, je pense, suffisant. Ok. Six rondins, j'aurais pas assez pour finir la maison. Bonjour, gros Brunlo. Bonjour à toi. Là, une petite vue par ici, ça me va. Je mettrais plus la vue ici et là. Oh, une vue par là. Et je mets pas de vue par là, non. Ah, ou alors je mets pas de vue ici et je mets une vue là-bas. Ah ouais, je vais faire ça. De toute façon, on pourra toujours changer, hein. C'est ça qui est bien. Ouais, on fait ça. Je suis en train de me dire que si vraiment j'ai envie de continuer de jouer au jeu, ce qui est bien parti, peut-être que les palissades, je les construirai de mon côté. Parce que ça va être très long à construire. Après, de toute façon, pour l'instant, on les a pas. Hein. Donc, on n'a pas le niveau. Ah, il va me manquer un rondin. Ah bah non, mais est-ce qu'il va me manquer les bâtons aussi? Alors, 8 bâtons et un rondin. Les bâtons, enfin les rondins, les bâtons, je vais les récupérer là. Comme ça, je prends pas dans le stock. Le peu qu'on a, quoi. Bon, j'ai pas de quête urgente en plus, c'est bien. On peut juste se développer. C'est vrai qu'il est plaisant ce jeu. Un petit rondin. Bâton 22. On essaie de retenir bâton 22, voir si ça nous fait du stock ou pas du tout. J'ai encore 90 rondins. Le pire, c'est que j'ai farmé, mais je l'utilise même pas parce que pour l'instant, on détruit ce dont on n'a pas besoin pour s'installer. Le jour s'est levé, on va pouvoir les recruter. Même la route aussi, au final, il faudra que je la fasse. Hein. Ok. Je vais manger un peu avant qu'elle continue de pourrir complètement. Je vais ranger ce que j'ai en ressources. Et on va aller recruter, du coup. Alors, tu vois, là, ça tiendrait que de moi. Vous allez me dire, bah, ça ne tient qu'à toi, c'est vrai, mais je pense à vous. Je récupérerai encore des bâtons et des cailloux pour aller revendre au passage. Bon, c'est pas un plantain, de toute façon, on verra. Bon, on va là-bas. On n'a pas de quête dans le village, là? Il y a deux quêtes là-bas, et ici, on n'a pas de quête. Allez, go. Ils ont planté là, je vais vérifier les champs. Yes, ça a planté. Un petit champ de blin. Petit champ de betterave. Le champ de carotte. Le champ de blé. Et le champ de choux. Je vais plutôt récupérer les baies. C'est combien un cochon? C'est 4000. Et une poule. Parce que si le cochon c'est 4000, je peux en acheter que deux au final. Quoi. Après, un couple de cochons c'est déjà ça. Hein, mais
Les 5000 que notre femme nous a donné, c'est pas non plus suffisant pour acheter 4 de... enfin, 2 de chaque, quoi. Une poule, faut en acheter 2. En vrai, le jeu a l'air sympa et tout. Je suis pas fan de ce genre de jeu. Je préfère plus les Battlefield. Ah, ouais. Rien à voir, du coup, effectivement. Après, c'est de la survie, quoi. Gestion survie. Mais c'est une survie plaisante, je trouve. Moi, je suis pas fan des jeux de survie, de base. Parce que je trouve ça chiant. Mais quand la survie est pas omniprésente, j'aime bien. Et là, c'est le cas, quoi. On n'est pas sur une survie où il faut absolument tout le temps être en train de regarder ta barre de vie, enfin de nourriture, d'eau. Et dès que tu sors, t'es en danger, quoi. Là, c'est reposant, c'est agréable, c'est joli. Regarde les maisons là-bas, trop stylé. Ça me donne envie de construire ici. Oh, j'ai envie de m'installer partout. J'ai envie de m'installer partout. Parce que, non mais en vrai, ici c'est trop bien, quoi. Ici c'est trop bien. Tu mets tes maisons au fur et à mesure sur différents niveaux. Oh, la ville serait tellement stylée. Avec un peu en contrebas les champs, avec un moulin. Oh là là, ouais, ce serait trop stylé. Regarde là. Tu vois, 2-3 maisons ici. La route qui remonte par ici, là. Tac. Sur une ou deux maisons, tac, la route qui vient là, d'autres maisons. Oh, trop pire. Oh. Ah hum. Fracture de la tarentule. Attends, il y a quelque chose là. Je récupère un peu de plantain pour me soigner après cette chute. Une chute monumentale. C'est ça. Ok. Alors, on va regarder les quêtes annexes, voir ce que c'est. Si c'est des trucs chiants, je les fais pas, tant pis pour la réputation. Par contre, si c'est un petit truc où ça peut nous rendre service. Parce que la récompense, ça donne des graines ou un truc comme ça, c'est pas mal. Non mais en vrai, on continue de payer des taxes au gars alors que maintenant on a plus d'habitants que lui, quoi. Ça, c'est sympa tout ça. Là, on a taverne et tout. Qui c'est qui a des quêtes là? Qui a des quêtes? Madame? Monsieur. Niemir. En quoi puis-je vous aider? De nombreux animaux dangereux. Il nous reste quelques pièces à vous donner si vous acceptez. Oh, non, j'avoue qu'aller chasser des animaux, ça m'intéresse pas. Moi, je veux construire. Je veux construire. Pourquoi je suis venu ici d'ailleurs? Oh, il y a des oies! C'est toi? Good day, mister. Je peux vous demander quelque chose, qu'est-ce qu'il y a? Je vais jouer à faire semblant d'être un adulte, mais je n'ai pas d'objet nécessaire. Pour y m'aider, je peux rien, mais je vais demander à mes amis de parler de vous. Je t'apporterai ce que tu veux, mais tu devras me promettre de rien faire de stupide. Qu'est-ce qu'il veut? Merde, j'ai accepté, mais qu'est-ce qu'il veut, le petit? Un couteau en pierre? Ouais, je te le fabrique vite fait. Bouge pas, je te fabrique ça vite fait. On va juste trouver des cailloux. 1, 2. Ok. J'ai pas vu ce qu'on avait en récompense, mais ça fera l'affaire. Et on va recruter du coup. Tiens. 50 réputations. Oh. Oh, ma réputation, j'en ai plus besoin. Hein. Alors, il y a... Il y a qui à recruter. Bon, déjà, Blizzbore. On a besoin de toi. Bienvenue. Laisse-moi te trouver une femme.
2, 2, 2, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3. Ce serait pour travailler dans les animaux, aucune des deux est vraiment efficace. Bah, en vrai, Wilburga est plus équilibré, quoi. Après, l'autre, elle a trois trucs, mais je vais pas la mettre en chasse, donc vas-y, bien. How can I help you? Bienvenue. Alors, je vous installe votre nouveau chez vous. Ça va être une catastrophe plus tard. Hein. Blizzbor. Tac. Petite maison, ici. Voilà, très bien. Et une burger, ici. Avec monsieur que tu connais déjà. Hein. Il est certainement déjà sympathisé. On va aller au prochain village. Et je crois qu'ici, en plus, on peut acheter cochon ou un truc comme ça. Peut-être... Ah non, on peut acheter des poules ici. On va regarder le prix des poules. Si une poule adulte... Si une poule adulte coûte moins de... 2500, on en achète une. Enfin, on en achète deux. Moins de 2500. Comme ça fait 5000 les deux poules. Et après, on achète un cochon. Et on achètera le deuxième plus tard. Parce que si après le cochon coûte, je sais pas, 2750 ou autre, il nous restera un peu d'argent. Et peut-être qu'en vendant juste 20 couteaux, on aura ce qu'il faut, quoi. Alors, bonsoir. Ah, pardon, je m'accroupis. Philiberta. Godfried et Alaric. Godfried, t'es particulièrement mauvais, non? Ouais, hein. J'aurais besoin de quelqu'un qui travaille bien chez avec les animaux. Je vais pas vous recruter. Y'a pas de poule ici, là? Ah, si, là. Ah, c'est 1005, un coq! 1050. Bon, ça va, en vrai. Oh, le petit poussin! Bili, 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 bili. C'est trop mimi. Comment ça marche? Du coup, ils sont dans notre poche quand on les achète? Bon, j'en achète un. J'ai acheté un coq et une poule. J'achète deux poules. Comme ça, ouais, c'est pas mal. J'ai pas envie d'aller voir Sambor. Sambor, il me fait galérer. Il va nous redire... Après, si Astru, il va nous dire d'aller dans le village où on va. Ouais, bon, on va voir. Faudra qu'on achète de la nourriture pour animaux. D'ailleurs, il faudrait que j'achète le truc de technologie, nourriture pour animaux. Là. On puisse fabriquer. Ressources requises, graines d'avoine, graines de seigle et paille. Ouais, on pourra faire en plus. Hein. Fais voir au niveau gestion. Agriculture, grange. Nourriture pour animaux. On n'a pas de graines d'avoine et on n'a pas de graines de seigle. Mais on n'avait pas acheté des graines ? D'avoine et de seigle? Peut-être. Faudrait qu'on regarde. Je vais voir Pépère là-bas, là. J'ai coupé un arbre, j'ai pas les pieux. On va se faire attaquer par des loups, on le sait. Attendez, j'ai coupé un arbre. Et on a nos premiers animaux. Faudra mettre quelqu'un qui bosse dedans. Il a pas envie de tomber. L'arbre en équilibre.
Ah d'ailleurs, je suis mort quand j'ai fait mon farming, tué par un arbre. Mais tombé dessus. Attendez, parce que normalement, il y a 4 bâtons. Un 4 ondins. J'ai eu les 4 ondins ? Ah oui. J'ai été tué, j'ai coupé un arbre. Et j'ai avancé avant qu'il tombe et il me tombe dessus et je suis mort. La joie. Le plaisir. Bon, j'espère que mes poules elles vont pas mourir. Elles vont pas mourir. Hein? Elles vont pas mourir. Ils peuvent vivre un petit moment comme ça. Sans manger. Oh, putain, j'ai pas réfléchi à ça. Oh, j'aurais peut-être. Je vais pas acheter les cochons tout de suite, je vais faire de la nourriture d'abord. Ouais. 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 Oh, j'ai été bête. J'ai pas pensé qu'il fallait les nourrir. C'est comme la pub des assurances pour les animaux. Vous qui pensiez qu'un animal ne tombait jamais malade. Bon, quand même. Bah au final, ouais. Moi je pensais pas que mes poules ils avaient besoin de manger. Non ! Il y a un loup. Ah, il y a un loup à gauche aussi. Fuis, va te cacher dans les buissons. S'en va ! Je vais attaquer. C'est bon, on est bon, s'en va. Je veux savoir où je peux trouver Kestrel. Oui, je vois. Précisément, que faut-il faire ? Espèce de salaud, s'en va. Tiens, j'insulte. Je suis censé pleurer. Non, non, mais ça me fait plaisir. Qu'est-ce que je dois faire ? Lui ramener tout ça ? Attends, mais le gars, il nous arnaque au bout d'un moment. Hein. Il m'utilise comme commis alors que je n'ai pas de temps à perdre, alors que je pensais qu'il arrêterait peut-être de me traiter comme un intrus. Voilà qu'il m'envoie chercher quelque chose. Mais c'est une blague, enfin, je vais lui ramener ses foutus légumes. Bon, flemme un peu, non ? Bon, du coup, on va partir vers... On va passer par Barrica, puis après redescendre vers le village qu'on connaît. Il y a des villages dans lesquels je suis pas encore du tout allé. Hein. Oh les calards. Ouais. Oh là là, plein de sangliers. On est sur leur territoire. Tout va bien. Ah, tous les sangliers qu'il y a dans le marais, quoi. On peut construire ici ? Non. Faut être posé sur l'eau. Ok. Du coup, un peu galère, quoi. Pourquoi je vais là-bas ? Mais j'ai pas besoin d'aller là-bas. Mais si, je voulais voir s'il y avait des cochons. Mais après, je vais pas les acheter. Après, je peux toujours acheter... Si j'ai l'argent, je peux toujours acheter un peu de nourriture pour compenser en attendant. C'est pas trop un problème, quoi. Le temps de fabriquer. Ah, du coup, il faut du seigle. Ah, c'est seigle et avoine, d'ailleurs. C'était pas l'un ou l'autre. Il faut... graines de seigle, graines d'avoine et paille pour faire de la nourriture. Ah oui. Ah oui, c'est... Ça demande des ressources, quoi. Il va falloir augmenter les champs très rapidement. Je sais pas à quelle vitesse il mange, les petits, mais... Il va falloir y réfléchir. Attends, c'est là. Il y a des cochons ou il n'y a pas de cochons ? Je prends des baies, pourquoi ? Parce que là, il va falloir très sérieusement penser à faire des engrais. Hein. En très grosse quantité, parce que si on agrandit... Si on agrandit nos champs après, là, au mois d'été...
En même temps, il faudra les agrandir maintenant, quoi, si on veut que la récolte se fasse dans l'année. Ah ouais, faut que je fasse ça. Bon, je vais voir vite fait. Dernier jour, je fais un champ de seigle et un champ d'avoine. Je suis obligé. Colrad. Y'a personne qui vend quoi que ce soit là? Toi là. T'es là-dedans? Norbert. Stranger. Ah mais non, mais toi t'es l'herboriste. Carreau empoisonné? Potion et potion. Ah salut. Goodbye. Goodbye, sir. Ils vendent absolument rien. Bon, on va rentrer à la maison. En passant par... Denica. Pour acheter les graines, du coup. Seigle et avoine. Oh, la misère. J'avais pas pensé à ça. J'aurais dû d'abord fabriquer les champs. Je traverse l'eau là. Oh la misère. Site de chasse de Pigargue. Je réfléchis. Je réfléchis au nombre que je vais avoir besoin. Personne sait le prix d'un cochon? Par le plus grand des hasards. Peut-être qu'il y en aura à Denica, à Venica. S'il y en a à Venica, on regarde le prix. Est-ce que j'ai combien sur moi? J'ai 6500. Faudrait pas que je dépense plus de 1500 là. Pour acheter graines de seigle et graines d'avoine. Quitte à en acheter 30 de chaque. Hein. Quitte même à en acheter 60 si on peut. Si on peut en acheter 60 de chaque, on en achète 60 de chaque. Je pense pas, mais... Comme ça, on fait des grands champs, et comme ça va être avant tout pour la production de nourriture pour les animaux, au moins on va faire du stock de nourriture pour animaux. Et si on a un surplus, on vendra le surplus. Ouais, c'est pas mal. Et de toute façon, après, on aura certainement une utilisation pour... Pour faire du pain ou autre avec le seigle et l'avoine, quoi. Cochon 1005. Ah, c'est que 1005? Ah bah, trop bien. Merci. Ah bah, si c'est que 1005, ça va. Ah bah, du coup, on va acheter nourriture pour animaux, graines. Et en grès, il me semble qu'il me reste pas tant que ça. Donc si je veux pouvoir planter, je vais racheter de l'engrais. Port 2000. Ah ouais, si je veux de la repro. C'est là-bas à droite. Ouais, après, du coup, c'est pour moins de 5000, quoi. Donc il faut que... Ouais, il faut que je dépense 1500. Allez, 2000, quoi. On peut se permettre 2000. Attends, prends pas trop, parce qu'on va peut-être revenir avec les poches pleines. Y a pas trop de collision dans le jeu, au plus. Hein. Voilà, si je veux passer là, hop, ça passe et ça percute même pas, quoi. T'as certains jeux où ça taperait et c'est chiant, quoi. Non, mais le jeu est vachement bien fait. Hein. Alors, on va faire une vérif. On va faire une vérification. Gestion. Ici. Grange. S'il faut fabriquer de la nourriture pour animaux, c'est avoine, seigle et paille. On en a plein. Donc. Après, 5 pailles pour une nourriture. Quoi? Attends.
paille? Non, seigle. Je sais pas pourquoi j'ai vu paille. Et attends, on peut faire avec de la paille du seigle? Pas du tout. Personne n'est réellement efficace au niveau des fermes. Enfin, de la ferme. Enfin, des animaux. 2008, le bouc. 2008, la chèvre. Okay. Hello there. Whatever you need, I've got it. Ah, je vais t'acheter de l'engrais. Mais en fonction... graines d'avoine... 7 la graine d'avoine. Oh, ça va. Graine d'avoine et graine de seigle, elle est à combien? Elle est à 7 aussi. Attendez, je vais faire un calcul. L'engrais est à combien? L'engrais est à 7 aussi. Ah bon, bah... 1500 divisé par 7. Divisé par 3. 71. 71 de chaque et on aurait de quoi... Ah bah non, parce que on manquerait d'engrais. Je fais des champs de combien? Des champs de 15. J'ai fait des champs de 15 jusqu'à maintenant. Donc si je peux faire des champs de 30 et acheter de la voile. Enfin, et acheter de l'engrais. Ouais, je vais faire des champs de 30 d'avoine et l'engrais. Allez, vas-y, on fait ça. Champs de 30. Faire des champs de 50. Je vais faire des champs de 30. Je vais faire des champs de 30. Avoine. Seigle. Je vais acheter ce qu'il faut pour ces deux-là, donc 60. Je vais même en acheter un petit surplus, 70, allez. Et on va acheter de la nourriture pour animaux. Nourriture pour animaux. Ici. 28 le prix. Je vais en acheter. J'ai combien là? 5590. Je vais en acheter pour 500 quoi. Voilà, 21. Avec ça, on est pas mal. Bon, on est bien trop lourd. Mais au moins, on a ce qu'il faut. Pour faire deux champs. Pourquoi je suis aussi lourd que ça? Je peux pas acheter un truc là, éventuellement. 22 bâtons, on peut les jeter. Bonsoir Fanny et bonsoir Lily Orca, comment allez-vous? Je vais faire une petite pause, tiens.